Bonjour à tous et bienvenue. Ça y est, je suis prêt à planter. Est-ce que vous vous souvenez, ici, j'avais dit que je vais faire le point de chute, ici, le point de fuite. Finalement, non. Finalement, j'ai changé d'avis. Je trouve que ici, hein, au fond là-bas, ce sera meilleur que en haut. Je vais remplir les plantes. Là, vous voyez encore des roches volcaniques entre les pierres de Seriostone, mais ce n'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Avec la plantation, ça se verra même plus. Donc, nous allons planter petit à petit. J'avais rajouté une petite liane ici, là, sur la branche principale, ici. Ici, une petite branche qui sort de nulle part. Voilà. Par contre, ici, j'avais coupé un petit peu la branche parce que sinon c'est trop long et je trouve que voilà, je préfère plus petite. Je vais vous donner quelques astuces pour mettre en place les mousses de Java. Alors, pour attacher des mousses de Java, je préfère utiliser de fil de coudre costaud. Je vous explique pourquoi, j'ai déjà expliqué sur les autres tutos. Avec le fil de coudre de couture, en fait, c'est pas élastique. Tandis que si vous utilisez du fil de pêche, c'est vachement élastique. Vous attachez et dès que vous lâchez légèrement la pression, la fixation se détend. Donc voilà. Donc avec ces fils de couture, il n'y a pas ce genre de problème. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre sur une tige. Bon, ici, à l'occurrence, c'est une épuisette. Donc je mets une perceuse. Donc là, c'est pas évident. Donc je vais le remplir ma tige. Voilà. Bon, j'en ai assez, je pense. Comme vous pouvez voir ici, on n'a pas beaucoup d'espace. D'accord? Donc, si vous entourez avec la main, c'est vachement chiant. Donc, c'est pour ça, j'ai un outil, c'est cette tige-là. Donc, vous vous entourez comme ça, il n'y a aucun problème et c'est super rapide à mettre les mousses en place. Donc voici les mousses. Je vais la poser là. Et on va entourer tout ça, de mousse. Bon, dites-moi dans le commentaire si ma méthode elle est bonne. Parce que je l'ai toujours fait comme ça. Donc quand vous attachez comment ça s'appelle votre mousse, vous attachez normalement sans le comment dire sans le serrer très très fort pour éviter que la plante elle a du mal à pousser. Mais dans tous les cas, elle pousse quand même. Mais bon, c'est vrai que j'ai remarqué plusieurs fois que si je serre trop fort les fils, ça, elles ont du mal, voilà. Donc voilà. Là, je l'ai fait, je l'ai entouré un peu partout, on va dire, et je n'ai plus qu'à attacher le fil. Voilà. Donc voilà, ma mousse de Java, elle est attachée. Voilà. Maintenant, je vais attaquer ailleurs. Et ce côté aussi, je vais le faire, mais je vais pas vous filmer parce que sinon ce serait trop long la vidéo. Donc je vous dis à tout à l'heure
pour le résultat final, les mousses sur les troncs. Voilà, une fois que mes mousses de Java sont posées, je peux faire autre chose, mais en attendant, je vais recouvrir du sopalin et les mouiller pour garder toutes ces mousses en vie, pour qu'elles sèchent pas, quoi. Alors là, ce sont des cubas et ça pousse très très bien n'importe où, même sans le sol. Que mon idée, c'est de partir là, comme ça. Il n'est qu'à glisser dans la falaise. Ici, comme il y a un trou, je vais mettre un petit peu de sol technique. Comme ça, les cubas, les racines vont puiser un petit peu de nutriments dans ce sol technique qui est là.
Voilà, ça, ce sont des bonnes bêtises. Et souvent, dans les arbres, dans la forêt, vous trouvez des plantes épiphytes qui poussent sur les arbres. Donc ça y ressemble beaucoup. Ici, vous avez des fougères de Java, pareil pour les arbres. N'importe où, ça se pousse super bien. Dans les zones humides, surtout. Là aussi, c'est les bonnes bêtises. Vous avez vu tout à l'heure les collages des branches, tout ça. J'ai mis des microsorums pour masquer les collages, donc ça se voit que du feu. Ici, vous avez un Anubia mini. Alors, dans les scapes, évitez des grosses plantes énormes comme des Anubia, parce que Anubia, vous avez une trentaine ou quarantaine de sortes d'Anubia. Je crois, hein, dans ces zones-là, évitez de mettre des grosses feuilles parce que le ratio ne correspond pas, donc c'est pas vraiment joli. Dans un scape de concours, évitez aussi, suivant le décor, des échinodorus avec des grosses feuilles et tout énormes. Ça, comment dire, c'est pas très joli. Pour un bac biotope, ok. Pour les bacs aquascaping, généralement, il y a beaucoup de bacs en concours qui sont que des petites plantes. C'est pour avoir une ratio de l'aquarium, décor et plantes. Si vous mettez des plantes trop grosses devant, ça va masquer un petit peu le travail que vous avez fait, c'est-à-dire les racines pour mettre en valeur. Donc il faut essayer d'éviter ces genres de petites erreurs. Voilà, ce côté aussi, tout à l'heure j'ai mis des microsorums pour masquer tout ce qui est collage des branches. Il reste ici je vais le mettre aussi. Voilà, ici et ici. Je vais en mettre des mousses ou quelque chose, je ne sais pas encore, je vais voir ce qu'il y a de disponible dans mon bac parce que je suis en rupture de stock des plantes et puis j'ai pas pensé de demander des plantes. Donc je fais avec ce que j'ai pour l'instant et puis après petit à petit ça va pousser et je continue à mettre encore les plantes. Alors maintenant je vais habiller l'autre côté les pinnatifida pour qu'elles soient plus jolies là-bas. Donc ici j'ai une touffe de pinnatifida, je vais glisser dedans, c'est pas évident parce que le décor il est tellement petit, enfin c'est très difficile à mettre des pinces. C'est là que la difficulté des aquascapers, c'est de pouvoir entrer des trucs dans les endroits qui est super difficile. Voilà. Alors, pinnatifida, c'est une plante épiphyte. Donc, ça pousse n'importe où, sans substrat, sans rien. Donc, ça accroche, les racines vont coller sur les branches, sur les racines, sur les roches, un peu partout. Donc voilà, là ce sera pas mal. Il reste plus que là-bas. Bon, ici vous avez vu, j'ai masqué, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, le perlon qui gêne un petit peu, et derrière je vais mettre des plantes un petit peu plus hautes pour masquer aussi le rocher qui est au fond là-bas. Et après vous allez voir les mousses de Java qui me restent, je vais faire des pattes, des patchs, et je vais poser au fond
au sol. Voilà, ça fait très naturel, ça fait comme si c'était un caillou recouvert de mousse. Donc voilà, comment on fait un patch comme ça avec du mousse de Java. Alors, dans ce bac, il y a encore beaucoup, beaucoup de petits détails que je ne peux pas le faire immédiatement parce que c'est avec le recul, tous les jours on regarde, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a des petites choses qu'il faut améliorer. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, par exemple, il faut combler ici, combler ici, combler là-bas, là-bas, surtout ce côté. Tout ça. Donc tout ça, vous le verrez dans une vidéo que je résume tout, le début du construction du bac jusqu'à final. Et vous allez voir que d'ici dans quelques temps, les cubas, elles vont bien pousser, des tripartitas, bon, les mousses, des microsorums, ça bouge pas trop. Storogine Repens, des petits pattes que j'ai rajouté ici, mais je vais en rajouter plein pour justement pour les finitions, ça s'appelle. Et puis au fond là-bas, vous allez voir pourquoi je n'ai pas montré, parce que je fais je mettais du Rotala HR au fond là-bas, mais je n'ai pas planté, je l'ai posé, je l'ai recouvert de substrat de sol technique dessus pour pouvoir que, comment dire, elles vont faire des petits des petites pousses tout seul, des pousses, des jeunes pousses. Ici au fond là bas je n'ai pas encore fini parce que je suis en train de réfléchir ce que je vais faire, parce que le point de fuite là c'est sympa, mais il manque quelque chose. Donc c'est avec le temps, avec le recul, tout doucement, je vais pouvoir concentrer là-dessus. Ce côté au fond là-bas, c'est pareil, même si on ne les voit pas beaucoup, mais je vais y travailler. Mais le plus gros, voilà, le plus gros du chantier, c'est déjà fait. Donc vous allez voir par la suite, plus tard. Là, en fait, j'ai rempli de l'eau de mon 300 litres. C'est un bac de concours. J'ai rempli de l'eau. En même temps, je fais un gros changement d'eau de l'autre côté pour pouvoir préparer le shooting pour le bac de concours. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris de l'eau de l'autre côté pour mettre ici. Parce que je n'ai qu'un fût de 200 litres de l'eau osmosée. Donc, je ne peux pas... je ne peux pas stocker 300 litres pour remplir tout. Donc il y aura un petit peu de l'eau robinet et le reste c'est l'eau osmosée, mais déjà dans un vieux bac. Donc je vais transférer quelques poissons ici puisque le sol, puisque mes filtres ils sont déjà cyclés. En plus en dessous de ce bac, il y a déjà du bactéries endormi. Donc il n'y a aucun risque. Et je vais mettre essorer un petit peu de bactéries dans l'autre filtre, dans celui-là, dans mes deux filtres, comme ça au moins c'est fait. J'ai pas besoin de faire le cycle d'azote, quoi que ce soit. Et je vais transférer quelques poissons ici parce que là-bas il y en a un petit peu trop pour un bac de concours.
et il commence à faire des dégâts au sol, creuser des trous. Comprenez, les Ramirezis, quand ils pondent, c'est creuser des sols et c'est pas possible de faire des photos de concours dans cet état-là. Donc je vais transférer des poissons ici et puis voilà. Voilà, j'ai installé le filtre. Commence à filtrer un petit peu pour éclaircir un petit peu de l'eau. Donc cette vidéo se termine ici et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous montrer le résultat de tout ça. Donc si tu viens de découvrir cette vidéo que tu n'es pas encore abonné, ici, cliquez sur le petit logo qui est là et tu es abonné et cliquez sur la clochette de notification pour recevoir les futures vidéos. En tout cas, je vous remercie de suivre cette petite série sur l'aquascaping avec 5 épisodes et le final, ce sera la sixième. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez cette vidéo et n'oubliez pas de laisser une pouce bleue pour me soutenir. Pour tout ce que je fais, tout simplement, voilà, sans prendre la tête, voilà. Allez, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao 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 ciao.